La fête du livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux présente Florence Tinard. Florence Tinard, journaliste de presse écrite, se spécialise en presse jeunesse et dans le décryptage des sujets d'actualité. Elle a écrit de nombreux documentaires pour permettre aux enfants et aux adolescents de découvrir le monde qui les entoure, de s'interroger et d'essayer de répondre à leurs nombreuses questions. Pourquoi la guerre, comment la paix ? Édition Gallimard. Le flot continu d'images de violence et de conflits crée cette impression étrange que la guerre est quotidienne, naturelle, inéluctable. Pourquoi la guerre, pourquoi la paix raconte l'histoire de la guerre et explique les mécanismes en jeu. Il met ainsi en lumière le cynisme de ceux qui profitent des conflits, la générosité de ceux qui apaisent les souffrances et surtout l'espoir et la volonté qu'il faut aux hommes jour après jour pour construire la paix. Une seule terre pour nourrir les hommes. Un tour du monde en 80 photos, belles et étonnantes. Des textes pour expliquer en profondeur les mystères du goût, l'histoire de la cuisine, de l'agriculture, leurs conséquences sur notre société, notre santé et notre environnement. Des pistes concrètes proposées, à l'échelle de notre frigo ou de notre planète, pour que nous inventions l'agriculture de demain, écologique et solidaire. Le grand business des plantes, richesses et des mesures. Édition Plume de Carotte. Marché à terme, système de subvention, sécurisation des approvisionnements, quotas, multinationales, commerce illégal, lobbying. Comprendre ces mécanismes et leurs excès est essentiel à l'heure où l'agriculture traditionnelle est en pleine transformation, où la question se pose de l'appropriation du vivant, et alors que nos choix de consommation font de nous, plus que jamais, des acteurs citoyens. Elle écrit également des romans jeunesse où la réalité se soumet joyeusement à l'imagination, dont le roman biographique « L'enfant qui marche » aux éditions Plume de Carotte. Raconter la vie de Jean-Louis Étienne, l'homme qui marcha seul pendant 63 jours jusqu'au pôle Nord en tirant son traîneau, n'est pas une mince affaire. 40 ans d'expédition aux quatre coins du monde, enchaînant des aventures toutes dignes de Jules Verne et bourrées de péripéties et de dangers. La série Totem chez Thierry Magnier. Les aventures de Hachi, Kikou, Romaric, Titouan et Lily Rose, collégiens au pouvoir secret, qui leur permet de mobiliser leur animal totem pour venir en aide aux animaux menacés. Florence Tinard est une auteure engagée et ouverte au monde qui l'entoure pour petits et grands.